Après son match nul à Montpellier lors de la première journée, le PSG voulait enfin lancer sa saison face à l'AC Ajaccio de Fabrizio Ravanelli. Et pour ce faire, Laurent Blanc aligne ses deux stars en pointe, Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Mais attention, l'AC Ajaccio est une équipe difficile à manœuvrer. 0-0, tels étaient les deux résultats du PSG face aux Corses la saison dernière. Et les Corses, justement, sans complexe, dès les premières minutes, attaquent le but parisien. Et cela va payer dès la 9e minute de jeu. Le petit ballon enroulé de Benoît Pedretti ne laisse aucune chance à Salvatore Sirigu. Le ballon mal renvoyé. Et Benoît Pedretti, recrue de l'intersaison en provenance de Lille, permet à Ajaccio de mener 1-0. Rapidement, le PSG va faire le siège de la surface de réparation d'Ajaccio pour tenter d'égaliser. Edinson Cavani de la tête et Memo Ochoa s'interpose déjà. 1-0 à la mi-temps pour Ajaccio, les deux stars. Moutou et Cavani, les deux ont fréquenté le championnat italien. En deuxième mi-temps, on retrouve justement Cavani avec cette tête qui prenait le chemin des filets. Mais le gardien mexicain Ochoa est sur la trajectoire. Le corner tiré par Mota, la tête d'Alex et s'est sauvé sur sa ligne par Benoît Pedretti. Benoît Pedretti décisif ce soir, buteur pour les Corses et sauveteur sur la ligne. Un coup franc pour le PSG et c'est Thiago Silva qui se heurte une nouvelle fois à l'impeccable Memo Ochoa, décidément imbattable jusqu'alors. Il y a vraiment un bloc, un rideau défensif qui se dresse devant les Parisiens et c'est donc sur coup de pied arrêté que le PSG se montre le plus dangereux avec cette tête sur la barre de Thiago Silva. Le ballon est toujours en jeu et à la retombée une nouvelle fois Thiago Silva, mais le défenseur brésilien ne trouve pas le cadre. Regardez le schéma tactique proposé par Fabrizio Ravanelli. Il y a très peu d'espace pour les Parisiens. Mais sur l'un d'eux, eh bien El Matador, Edinson Cavani va trouver la faille. À 5 minutes de la fin, le Matador marque son premier but en Ligue 1. 29 en Serie A, tel était son total la saison dernière. Et bien cette fois-ci, il permet au PSG d'égaliser et c'est mérité tant les champions de France ont poussé outrageusement avec une possession de balle de 77%. Et ce n'est pas terminé, il reste du temps pour arracher la victoire. Le crochet de Verratti qui choisit la passe pour Ibrahimovic, le cafouillage monstre, la main du Suédois. Les Corses sont acculés devant leur but, mais ils tiennent. Les minutes s'égrènent et le PSG pousse inexorablement. Déviation d'Ibrahimovic pour la tête de Verratti. Petite tête piquée et toujours à la main ferme de l'ange gardien Memo Ochoa, auteur de plus de 10 parades décisives. Match incroyable du Mexicain Guillermo Ochoa. Le PSG va jeter toutes ses forces dans la bataille. La frappe de Thiago Silva à l'entrée de la surface de réparation vient s'écraser sur la barre de Memo Ochoa. Deuxième fois que Thiago Silva trouve la barre. On dit que les grands gardiens ont de la réussite. Memo Ochoa est un grand gardien. Les Ajacciens auront tiré une fois au but et auront marqué le PSG 36 fois pour un seul but. Score final, un partout.